Alors, Bezrat Hashem, Parashat Vayechi, Benogéa, les Péoula, les Péoula, Bezar Oto s'est fait Rizouk, Bechinou Rabani, Veabanot, Kolel, Gam, Veshinanta, Nevanecha, Elou, Atalmidim, Betokef Nitzri, Veoler, Venimchar, Gam, Keshinitral, Keshinif, Seket, Péoula, Aav, Veharav, Amechaner, שמבשיר להתעסק בעניינים אחרים לארוך ימים ושנים טובות. Donc en fait, on nous dit, puisque la parasha parle de Vayechi Yaakov, ça veut dire quoi la descendance de Yaakov. On voit la disparition de Yaakov Avinu et on voit la descendance de Yaakov Avinu. Et on va nous parler du renforcement des enfants, et des garçons et des filles, pour les générations à venir qui sont liées à l'enseignement Veshinamtam Nevanecha. Ça veut dire dans le schéma Israël, on dit tu enseigneras à tes enfants. Donc à tes enfants, ça peut être très bien les Talmidim, parce que la Torah nous dit celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, cet élève-là, il est considéré comme son enfant, comme si qu'il avait enfanté. Et ça, c'est un enseignement qui est éternel. Chez Oler, Venimchar, Gam, Keshenif, Seket, Peulat Ahav. Ça, c'est un enseignement pour la vie, comme quoi on doit perpétuer l'enseignement et les valeurs de la Torah. Donc c'est quelque chose qui se continue malgré que c'est arrêté l'action du Père. Donc en l'occurrence, là, c'est le Père, c'est Yaakov Avinu. Ou le Rav, Amechaner, ça veut dire même si l'éducateur il a disparu ou il s'est arrêté à un moment donné. Chez Mamshir, l'étasek de Nyanim Acharim, la Rav, Yamim, Bechamim, Tovot. Kevan, chez Peulat, Achinur, Naasta, Beofen, chez Zéir. Zria. Pourquoi ? Parce que l'éducation, elle doit être faite d'une manière où c'est un ensemencement. Vraiment, ça veut dire que de la même manière qu'on va prendre une graine et on va la planter, on va creuser la terre, on va la planter et on va mettre de la terre par-dessus, on va arroser tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est ça l'éducation. Ça doit être une graine qu'on a plantée qui va donner des fruits bien plus tard. Ça veut dire que quand un parent il éduque ses enfants ou quand un rav il enseigne la Torah à ses élèves, il ne voit pas tout de suite les résultats de son enseignement. Il ne les verra que bien plus tard. Donc en fait, rajouter de l'eau, c'est rajouter de la Torah à chaque fois dans la graine. À chaque fois, ça veut dire que c'est un effort constant en fait. L'éducation, c'est ce que je suis en train de dire, c'est un investissement constant. C'est Ça ne s'arrête pas. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est constant. Ça doit être régulier et tout le temps remettre les choses à. C'est-à-dire, un enfant, il ne demande que ça, qu'à être dirigé et finalement aidé, quoi. Pour devenir plus adulte, il n'a pas d'intellect comme un adulte. Un adulte, lui, il comprend que si tu mets plein de choses, de linge sale dans un coin, ça va s'accumuler, ça va sentir pas bon, ça va, etc. Un enfant, il n'a aucune capacité pour comprendre ça. Il est juste cool au lait, il est complètement dans les émotions. Lui, c'est il aime ou il n'aime pas, il a envie ou il n'a pas envie. Il a besoin d'intervention de l'adulte, qui est l'apport de l'intellect, pour réussir à grandir et à avoir une autre perception de celle qu'il a naturellement. Sa perception, c'est quoi ? C'est les sentiments. C'est un petit chien, alors. Les enfants, disons que c'est une âme animale bétokef. Ça va ? C'est une âme animale bétokef. Elle est complètement... Elle est complètement là, quoi. C'est principalement une âme animale, parce qu'on a expliqué que le... Là, pour être bouté, en fait. Une âme animale qui a besoin d'être raffinée. Pourquoi ? Parce que l'âme divine, elle ne vient qu'à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah. Elle vient un petit peu en partie à la brit mila pour le garçon, mais béchlémout complètement, elle ne vient qu'à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah pour le garçon. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit que le yetzer hara se réveille à ce moment-là. Quoi. Oui, parce qu'il a le choix. La lutte, elle commence. Parce qu'il a le choix, le bar mitzvah, on lui dit qu'il est responsable. Donc, tant que l'âme animale. Parce qu'il a le choix de faire mieux ou mal après. Non, mais tant que l'âme animale, elle a le terrain libre. Elle a son âme animale. Donc elle a le terrain libre. Son corps, il lui appartient à l'âme animale, entre guillemets. Et quand. En même temps, il n'a pas de yetzera avant 13 ans. Il a un énorme yetzera, puisque. Non, ça veut dire qu'il a pas un yetzera, mais il a une âme animale. Ça veut dire qu'il se comporte comme ça lui convient, quoi. Selon ses plaisirs. C'est pas beau ? C'est ça que je. Non, c'est ça. L'âme animale, elle est celle qui va nous faire des fois flancher et écouter le yetzer hara. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord ? Ouais. Ça veut dire qu'elle peut nous entraîner vers la faute. On a tous l'âme animale. Avant 12 ans pour un garçon, il n'a aucune obligation de remplir Torah et Mitzvot. Ok ? À partir de 12 ans, il commence à avoir une obligation envers Dieu, mais jusqu'à 20 ans, il a une période de test, on va dire. Ouais. Où Dieu ne lui comptabilise pas vraiment ses fautes. Ok ?
Mais il a jusqu'à 18 ans, 18-20 ans pour devenir vraiment responsable. Donc c'est la période d'essai, 12 à 18 ans, ou 20 ans selon les explications. L'âme animale, le Tania nous explique, l'âme animale et l'âme divine, elles se battent pour une petite vie. La petite vie, c'est le corps du juif. Donc en vérité, jusqu'à 12 ans, l'âme animale, elle a le terrain libre, elle est tranquille là-bas. Mais quand arrive la bar mitzvah et qu'on dit, écoute, tu t'es installé pendant 12 ans, maintenant il y a un nouveau qui arrive, ça s'appelle âme divine, et c'est là, c'est ce pourquoi il est descendu sur terre, cette personne. Ce corps, il est venu sur terre pour faire les mitzvot, pour servir Dieu, avec cette lutte. C'est ça ce que Dieu veut de nous, c'est la lutte, et qu'on gagne, évidemment. Donc en vérité, quand rentre l'âme divine à la bar mitzvah, c'est là que commence la guerre. Parce que l'autre, elle est là depuis 12 ans d'avance. Elle a 12 ans d'avance. Elle est de combattre. Mais voilà. Jusqu'à 12 ans, Et c'est là que rentre l'adolescence et les problèmes. Mais jusqu'à 12 ans, il ne fait pas des grosses bêtises. C'est pas bah non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est juste une âme animale qui est spontanée. Il n'est pas vraiment ça, Non, il ne faut pas déchirer. Parce que c'est là que quand il y a l'âme divine. Parce qu'il ne chute pas. Jusqu'à 12 ans, il ne chute pas. Non, pas vraiment. C'est quand l'âme divine, elle rentre, que l'enjeu, il est énorme. Voilà, c'est ça. L'enjeu, il est grand quand l'âme divine, elle s'installe. C'est ça, après. D'accord, c'est une lutte pour la lumière, pour la divinité, pour Dieu. Jusqu'à 12 ans, c'est une éducation, en fait. Les réveillés nous expliquent que jusqu'à 12 ans, on les habitue à ne pas céder, oui, etc. Voilà. Ouais. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'un enfant, le rabbi, il dit que toute la base de toute la vie de l'enfant ou de l'adulte, c'est dans l'éducation même de 0 à 3 ans, De 0 à 3 ans. Ça veut dire que... toutes les bases, les habitudes, les bonnes habitudes qu'on va leur donner, les brachot, la mezouza, la tzedaka, avat Israël, faire netilat yadayim, toutes ces choses-là, mais ça va les poursuivre toute leur vie. Ça veut dire que même si un jour le terrain il va venir, il va essayer de les attaquer sur ça, mais elles, ça, la base, ça veut dire ça, même pas ça va leur traverser l'esprit. Ça, il y a aussi le côté rôle. La politesse, le respect des parents. Non, ça veut dire là, on parle. Oui, ça c'est un savoir-vivre. Ça c'est savoir-vivre, ça passe avant la Torah. Mais il y a aussi le côté en particulier, quand l'âme divine elle va venir et que le combat il va commencer vraiment à 12 ans, 13 ans, alors déjà il y aura des clanim qui seront installés et là il va pas bouger. Il y aura d'autres luttes, c'est sûr. Ah bah oui. Mais plus raffinées. Les choses de base, elles seront là. Elles seront acquises. Alors, Kevan, chez Peoulat Achinour, Nasa, Beofen, chez les Zria. Chez Kolel ou Mevia Bepoal Aemcher Atzmicha, des Aro, Vezera Zaro, Atzof Koldorod. En fait, il explique que l'éducation, elle est faite d'une manière d'ensemencement. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, que de la même manière qu'on plante la graine, de cette manière, elle va continuer à pousser pour toute sa vie. Ça veut dire que le rabbi nous donne un cadre. Quand on plante la graine et qu'on la plante tordue, on fait un gamme à l'arbre qui va pousser parce qu'il va pousser tordu. Et ça sera très dur quand on va mettre un tuteur. De le redresser, en soit en passant, les mauvaises habitudes. Donc ça veut dire que dès la naissance, si on met des bonnes habitudes, c'est sûr que l'arbre va pousser droit. Mais s'il pousse tordu, là ça va être des années pour le rattraper. Mais c'est ce pour le coup, ça peut être. Oui, bien sûr. Non, mais Hachem, maintenant que les enseignements du rabbi se diffusent, alors on sait que Baruch Hachem, on l'a fait dans nos mains pour nos enfants. C'est depuis la racine, même si le rabbi. Ok, nous. Si on a la volonté, on peut se changer, évidemment, bien sûr. C'est ça, mais sache que si demain, si Dieu veut, quand tu vas avoir des enfants, tu sais ça. Tu vas savoir plus. Donc, tu vas tout faire pour leur donner le meilleur. Donc, tu veux des mieux. Ça fait, disons que ça, avec la médiatisation, ça fait 20 ans que tu es dans cette enfant. Les ordinateurs, ils ont apparu il y a 20 ans. Les ordinateurs, Internet, la diffusion de la chassidoute, elle s'est développée depuis 20 ans seulement. Anaël, quand elle va avoir des enfants, elle va savoir plus de choses que moi. Exactement. Tu vas générer sur que ta mère, que moi. Ouais. Tu aurais mieux que nous. Donc en vérité, toute cette. Mais c'est toi qui vas faire. Pas toi, quand tu es jeune encore. Je te parle de moi, Ce sera lui qui va faire. Non, mais ça t'achète. On va leur dire un mot. En même temps, on va prendre moins de mauvaises influences. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on apprend de nos parents, le savoir-vivre. Parce que moi, j'ai toujours dit, mes parents n'étaient pas religieux, mais ils m'ont éduqué avec un savoir-vivre. Ouais, c'est ça, ça va rester. En fait, le savoir-vivre, ça rejoint la religion. Ça rejoint la religion. Alors, on essaie d'avancer dans le texte, mesdames. Le rabbi nous explique que l'éducation qu'on va donner à un enfant, le but, c'est que ça se perpétue à travers toutes les générations. À tel point que l'enseignement que le père il va transmettre à son enfant, il va tellement se perpétuer de génération en génération que le père va rester en vie à travers ses enfants. Et c'est ce qui se passe pour Yaakov Avinu. Ça veut dire que de la même manière que Yaakov Avinu, il est éternel. Ça veut dire qu'il est éternel. Pourquoi ?
parce que ses enseignements sont éternels à travers ses enfants. Donc Yaakov Avinu, il est éternel. Et non seulement il est éternel, mais en plus il est Emet. Yaakov Avinu, c'est Emet. Oui, évidemment, on va en parler aussi des Emaot. Chez Bazé, Nikar, Tokef, Amitri, ou Dechaye, Amechaner, ou Bachaner. Et ça, c'est la condition pour laquelle la personne qui éduque, elle reste en vie. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a dit, l'enseignement, il reste, il ne bouge pas. Parce que quand on est mon père, il me disait ça, quand ils sont partis. Mon père, il m'a appris ça. Dorénouzé, ou Dor Acharon, chez Agamoud, ou Ador Arishan, chez la Géoula. Notre génération, c'est la dernière de l'exil et la première de la Géoula, la délivrance. Théodahat, Ahad, Razad, Kovak, Bouchard, Modri, Mérami, Almo, Nassi Dorénou, comme le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, il le dit. Yosef, chez Védorénou, Al-Shum, Hachem, Yosef Arishan, chez Odia, Vérriz, chez Elohim, Paka, Difkod, Etrem, Veale, Etrem, Minaret, Azot, El Aeret, Asher, Mishbar, Le Avram, Etrak, Veleagol. C'est-à-dire, le rabbi nous parle de son beau-père Yosef Yitzhak, sur le nom, qui porte ce nom depuis Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est le premier qui a dit Dieu, il va, Elohim, il va être jaloux pour vous, et il va vous prendre de cette terre, donc de l'exil, quoi, de l'Israël, et il va vous ramener dans la terre de Eretz HaKodesh. La terre de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shekva, Hachem, oui Dieu. Hein. Dieu il va vous prendre et il va vous ramener de cette terre d'exil vers la terre de la délivrance, donc la terre d'Israël. Shekva, Nishlemu, Kol Maasenu, Vavodatenu. Et le rabbi Yosef Yitzhak il a expliqué qu'on a déjà terminé toutes nos actions, tout notre travail il a été accompli. Vekvar, Kelu, Kol Akitin. Et de toutes les façons on a dépassé toutes les dates de la délivrance. Vegvar asu tshuva, et on a tout le peuple juif il a déjà fait tshuva. On a dépassé. Vegvar nistaimu, ouais, encore plus que ça. Vegvar nistaimu kol achanat, et toutes les préparations sont déjà terminées. C'est comme si le mariage il est prêt. Ça y est, on a fait. Mais au fait, alors le rabbi va nous dire, ça gâte pas. Le rabbi va nous dire. Exactement, tu sais ce que le rabbi dit, il dit maintenant le chatan il est prêt, c'est Dieu. Et maintenant on attend que la Kala elle arrive vers Dieu. Vers Dieu. On a noté qu'il faut ouvrir les yeux si on voit pas. Exactement. Ma vie va nous dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire. On n'a pas assez ouvert les yeux, tranquille. Mais ça relâche pas d'écouter un message comme ça, que ça bah peut travailler après. Bah oui, c'est ça. Non, va nous dire parce que ça peut décourager aussi. Si tout est prêt, alors ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça y est, on a fait Tshuva. Qu'est-ce que je peux faire? Non, même à une époque, Dieu il a créé sa femelle et en fait ils ont bougé, ça a fait des tremblements de terre, donc Dieu l'a supprimé, il l'a caché. Pour ne pas que ça détruise la terre, quoi. Mais c'est un poisson énorme qui est sous les océans et quand tu auras Mashiach, on va le manger. Voilà. C'est le repas. C'est le repas de la délivrance. C'est pas la femme. C'est un poisson. Il y a le Shorabar qui est un bœuf ou un taureau. Non, c'est un bœuf géant, quoi. Et en fait, il y en a un qui va faire la shrita à l'autre. C'est-à-dire, c'est beaucoup de secrets dedans, mais en gros, c'est le Léviathan qui va faire la shrita au shorabar, au bœuf avec sa nageoire, et le shorabar, il va encorner le Léviathan avec sa corne. Et en fait, ils vont s'entretuer pour supprimer le Yetzer Hara. Exactement, c'est pour faire la shrita au Yetzer Hara. Chacun va manger un morceau. Chacun, on aura un repas, un festin. Il y aura le festin, donc il y aura évidemment quand on fait un vrai repas, on prend le poisson et on prend la viande. D'accord ? Donc ça va être le repas de Léatil Labo. Les Viatal Meshoraba, Veyaïn Ameshuba. Et en plus, il y a le vieux vin qui nous attend. Le vieux vin. Donc le Léviathan et le Shoraba, le poisson et la viande et le vieux vin. Voilà. Alors voilà, maintenant on va rentrer dans le texte. Vous êtes prêtes ? Accrochez-vous, c'est un choix. On a intérêt à aller jusqu'au bout. Hein ? C'est toujours parce qu'il manque. Alors attends, patience. À quoi l'Enatsar est Ageoula, la force de faire vaincre la délivrance. C'est faire Bereshit ou Arishon, ve'arosh l'école sifré à Kodesh, à Ba'im Maharav.
Le Sefer Bereshit, c'est le premier des livres et il est la tête de tous les livres qui vont le suivre. D'accord ? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Bo Mesupar, Odot, Avotenu, Avdoshim. Dans le Sefer Bereshit, on a remarqué qu'on parle des Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Là, on est arrivé à la fin de la vie de Yaakov. Et après, on va passer, Shabbat prochain, ça va être Shemot déjà. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Shemi en, Anu, Shehu, Shehuvim, Shuavim, Et Akoar, La Avot, Et Hashem, Kedrush. Et de eux, on va prendre les forces de servir Dieu comme il se doit. D'accord ? De nos avot. Vekeneemar, maase avot siman abanim. Parce que la Torah nous dit les actions des pères sont un signe pour les enfants. Gam bishmo shel aparasha, amesayemet et sefer bereshit vayechi Yaakov. Selon le nom de la paracha donc, qui conclut le sefer, tout le livre de Bereshit, donc c'est le nom de la paracha, c'est vayechi Yaakov. Yaakov a vécu. Mudgash akwar anitan me'avot. Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu. Qu'est-ce que c'est Vayechi? C'est la vie. C'est la chayut, c'est la vitalité. Donc on nous donne tout ça nous porte un enseignement, ce nom, hein, ce nom de la paracha. C'est quoi? C'est la force qui nous a été donnée de nos avot. Shari Yaakov nikra bechu bachor avot. Ve'u ma'avir et kocha nedorot abaim. Et Yaakov Avinu, il a appelé le choisi parmi les pères, parmi les Avot. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va être l'intermédiaire pour transmettre toutes les forces d'Avraham, Yitzhak, et sa propre force à lui, à toutes les générations à venir. D'accord ? On va voir pourquoi. Vekar Yaakov Manshir Lechayut Lenatsea. Lechayut Lenatsea. C'est pourquoi Yaakov Avinu, il va perpétuer une force, une vitalité de vaincre. D'accord ? Et on va voir que Yaakov Avinu, il s'est venu au monde, il a venu des Shvatim, des 12 tribus, elle est une préparation à Matan Torah. D'accord ? Parce qu'après les 12 tribus, on va voir qu'ils vont se réinstaller en Eretz Israël, ils vont recevoir la Torah dans le désert, etc. Donc en fait, Yaakov Avinu, ça y est, préparé déjà toute une génération à recevoir la Torah. Mais Parasha Vayechi Atzma, dans sa Parasha en elle-même. Mesupa al Brachot Birkato Shel Yaakov Lebanav. On parle des bénédictions qui ont été faites de Yaakov Avinu pour ses enfants. Bebirkotav elou et enik ve'evir les banav et kochotav kol kochotav. Dans les brachot qu'il va donner à ses enfants, il va transmettre toutes les forces pour les générations à venir. On va voir. Ze gam aesber les ma'amar abotenu. Et ça, c'est l'explication de nos sages. Yaakov Avinu l'omet. Il y a une Gemara qui explique, qui dit Yaakov Avinu n'est pas mort. D'accord, il nous dit Yaakov Avinu n'est pas mort, il est en vie. Mikevan chez Kol Kochotav Nisharu Ve'avru El Adorot Abaim ou Beprat Limud Torah Ba It Asek Yaakov Beofen Miuchan. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre ça? C'est que toutes les forces, elles sont restées dans ses enfants. Par le fait qu'il les a bénis, il a transmis toutes ses forces. Et donc aux générations qui vont suivre, et en particulier ses forces dans l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a les forces d'étudier la Torah, c'est fou ce qu'on est en train de dire, ce que le rabbin est en train de nous expliquer. Si aujourd'hui on a la force de s'asseoir et là d'étudier la Torah, c'est grâce aux forces que Yaakov Avinu nous a données. C'est ses forces à lui qui nous donne la force d'étudier la Torah. Ouais. Ça veut dire que si on ne vous aurait pas donné, alors on n'aurait pas la force de continuer à étudier la Torah dans les générations. Parce que quand tu vois, on est loin de Yaakov Avinu. On est loin des Avot. C'est 1776 ans, d'accord ? Donc en vérité, c'est grâce à ça. C'est ça, il nous a transmis cette force spirituelle de continuer à étudier la Torah à travers les générations. À travers ses enfants. À travers ses enfants, on est ses enfants. Alors on va les remercier. Mais évidemment. Évidemment, on n'existerait pas. Bah, il t'assèque Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous vous rappelez, on dit Yaakov, Yoshev, Baouel. Yaakov, il avait la prénate. Il avait le niveau, son niveau à lui, c'était d'être celui qui est Yoshev, Baouel. Il avait la force d'être dans la tente et d'étudier la Torah du matin jusqu'au soir. Zoï, ouais. Zoï asiba chez Bessiou ma paracha, machezim chazak chazak ben chazak kia paracha, vayechi Yaakov mechazeket et kol am Israël. Et c'est une des raisons pour laquelle, à la fin de cette paracha, vayechi, vous allez voir à la synagogue, on va crier chazak chazak ben chazak. Beaucoup de force pour se renforcer. D'accord ? On dit que la force soit avec le peuple juif en gros. Et ça, cette paracha, vayechi, Yaakov a vécu et vit toujours, en effet. Mitrazek et Kola Am Israël, ça va renforcer tout le peuple juif. Ma, Shenota, ou, les Mitsou, et Akesher, les Tahrir, Bo, Anu, Nimsaim, Asara, Betevet, Shechal, Beyom, Shishi,
mais Shavua chez Parasha de Vayera. Alors ça, c'est merveilleux. Le rabbi nous dit, ok, très bien, maintenant on doit faire le lien entre la Parasha et le jeûne du Tevet qu'on est en train de vivre. Ok. Alors, Asara Betevet, Atalir Matri. Le processus, il commence. Hein? C'est aujourd'hui le jeûne. Moi, j'aime pas parce que je suis allée jeûner. Alors, les Asara Betevet, Yesh Tokel, Bechashibut, Meuchad, Meuchadet, Alkol, Atsumot, Atsumot, Shinik Beou, Zahar, les Khorban, Zerin, les Khorban, Vafilou, Al, Chisha Be'av. Alors, le Jit Tevet, il a une puissance et une importance spéciale sur tous les jeunes qui vont venir dans les dates du peuple juif, dans le calendrier juif. Pourquoi ? Parce qu'on sait que tous les jeûnes qu'on fait, c'est un souvenir évidemment qui est relié à la destruction du Beth Amikdash. Mais ce jour, aujourd'hui, il a quelque chose de spécial. Gan im asara betevet, ayah chad beshabbat, ayu chayavim latsom, mikevan she'al asara betevet, neymar ve etzem ayom azim. Même si ce jeûne-là, il était tombé Shabbat, on aurait été obligé de jeûner Shabbat, comme Kippour. Comme Kippour. Il n'aurait pas été obligé d'être. Il n'aurait pas eu la possibilité d'être repoussé. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit dans la Torah sur ce jeûne-là, sur ce jour-là. Etzem Ayomazé, l'essence de ce jour. S'il y a écrit l'essence de ce jour, ce qui est le Jitévet, on ne peut pas le décaler. D'accord ? On va expliquer pourquoi. Chayavim Latum Beotom Beotoyom. On est obligé de geler ce jour-là et on ne peut pas le repousser. Pourquoi ? Asibalekar et Mipne, chez Beasara Betevet, Itrila Khorban. Pourquoi ? Parce que c'est le dit Tevet que la destruction du temple elle a vraiment démarré. Les événements ont commencé. As Itril, les Nimtsuo, Al Khoma Tayorushalayim. La première brèche, elle a commencé à se faire dans le Mioa de Jérusalem. Beyud Zayn Betamuz, Ugba'a Achoma. Le Yudzaï, le 17 Amouz, la brèche, elle a été vraiment faite, trouée, brisée. 17 Amouz. Betisha Be'av, Nisraf Bet Amidash. Le 9 Av, ça y est, le Bet Amidash était déjà en feu. Ou Be'imel, Betishri, Ne'erad, Aman, Ikshel, She'arit, Aflita, Be'Israël, Gedalia, Ben Arkam. Et le 3 Tishri, le Tsom Gedalia, qu'on fait le jeûne de Gedalia. C'est là qu'a été tué un des dirigeants du peuple juif, Gedalia. Imken, Atsom, Achamur, Beyoter ou Asara Betevet. Et si c'est. Alors voilà, on voit bien que c'est ce jour du Tevet, on voit pas que les ennuis ont commencé, c'est là que tout a commencé à s'ouvrir. Donc il est beaucoup plus important, Mikevan, Shebo, Achalou, Atsarot, parce que c'est là que tout a commencé, toute la détresse du peuple juif. Et ça a duré combien de temps entre le Et ben voilà, de maintenant jusqu'au 9 ans, parce qu'on a 20 ans. Ah, c'est peut-être 3 ans. Je ne me rappelle plus exactement, il faudrait voir dans l'histoire. C'est tout. Ça vient en fait, je vais vous expliquer le rabbi. Pourquoi Dieu il a attendu tellement de temps pour que jusqu'au jour où vraiment le Beth Amidash il a enfoui. Oui, il a disparu finalement. Voilà. Ce jour-là, il a disparu. On va voir pourquoi. C'est une raison profonde à ça. Oui. On va s'arrêter là. Mouvan Inken, chez Gam, Benogia, les Nekudot, Achouyavot. Yaviot, Ikaimu, Bechol, Atsomot, Yesh, la Asara, Betevet, Maalam, Yuchedet, Beyoto, Adhala, Veafticha, Shelaim. Il y a une particularité dans le jour du Tevet. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ouverture là-dedans. Anavi, Yeshaya, Mechane, Et, Yeme, Atsomot, Bechem, Et, Ratson. Le prophète Yeshaya, il nous dit que le jeûne, les jours de jeûne dans le peuple juif, c'est des jours de jeûne, c'est des jours de être à Tzom. C'est un moment propice. Il va nous expliquer pourquoi. Versiba l'ekar imikevan che yom à Tzom, ouzman che mesugal, le itoriru che tchoura. Pourquoi ? Parce que le jour du jeûne, c'est un moment propice à l'éveil de la tchouva, du repentir, évidemment. Ame vatelet et achurban. Et qu'est-ce qui annule la destruction ? C'est la tchouva, la force de la tchouva. Ou mevi'a et ageoula, ou kedivre arambam. Et en fait, c'est la tchouva, le repentir, si on veut, de retourner à Dieu, de retourner à soi-même, qui permet d'éviter la destruction du peuple, du temple. Et donc, ça permet évidemment, si ça permet d'éviter la destruction, ça permet de construire la geoula et la venue du Beth Amikdash. Comme le Rambam nous dit, sauf Israël, la seule tchouva. La finalité du peuple juif, c'est-à-dire quoi la finalité du peuple juif ? Le but pour lequel elle a été mise sur terre, c'est de faire tchouva.
D'accord, c'est un but en soi. Et d'avoir évidemment, donc la reconstruction et la géoula. La délivrance, ou mi'ad, em niganim. Ça veut dire que dès le moment où le peuple juif il fait tchouva, c'est à quoi faire tchouva? On a compris, on a répété. Tchouva, c'est tchouver, c'est de revenir à Dieu, de revenir à sa source. C'est quoi sa source? C'est ma source à moi, c'est rien d'autre. C'est pas que je reviens à Dieu, je reviens à quelque chose que je connais pas, que je sais pas c'est on quoi. On n'est jamais parti de Dieu, de toute façon. On n'est jamais parti, mais dans le dévoilement, oui, on s'est éloigné. Parce que quand quelqu'un, un juif, il ne fait pas la volonté de Dieu de façon extérieure, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il y a un éloignement de l'essence. Ça veut dire le but, c'est qu'il dévoile son essence. Ça, vous vous rappelez le cours qu'on avait fait avec Daniel? Le but, c'est de dévoiler son essence. Ça veut dire qu'il est vraiment proche de Dieu. C'est que dans l'essence et dans le dévoilement, il est vraiment collé à l'essence. C'est que l'essence et le dévoilement soient face à un. Donc, en vérité, voilà, vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Sauf Israël, la finalité du peuple juif, c'est de faire tchouva, de revenir à lui-même, de revenir à son âme divine. Oumiyad de El Nigalim. Et tout de suite, à l'instant même où le juif fait tchouva, le peuple juif est délivré. Zohi Mataratam Shalimé Atsumot. Et ça, c'est le but pour lequel les jours de jeûne ont été institués dans le peuple juif par les sages. Matara Zomud Geshet Bemeuchad Beasara Betevet. Et ce but-là, il a été appuyé pour particulièrement le Jitevet, Kacher et Tril Ametsur, quand a commencé tous les événements qui vont mais t'as déjà fait tout de suite. Oui, mais alors, non, il nous dit, voilà, maintenant, si on a un jeune qui a appelé le Jitevet, que c'est le début de toute la destruction, etc., ça doit nous enseigner quoi? Que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Tchouva. On a dit que tout le peuple. Alors, attendez, on va suivre le raisonnement. Oui. D'accord? Mais s'il nous dit ça, oui, c'est vrai, on a tout fait, mais si le rabbi nous dit ça et qu'on est séparé à chat, etc., c'est que forcément, quelque part, la Torah ne nous donne pas des enseignements juste pour nous nourrir notre soif intellectuelle de se rendre plus intelligent. C'est que si la Torah nous dit ça à ce moment-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Peut-être que c'est le sentiment de Teshuvah qui doit être en nous tout le temps. Parce que par exemple, on peut faire Teshuvah. Oui, mais c'est jamais acquis. Rien n'est acquis. Oui, mais quelque part, on est conscient, tu vois, on vit avec, c'est comme on dit. Exactement. C'est qu'on doit tout le temps faire tchouba, tout le temps. Il y a toujours de quoi chercher, il y a toujours sur quoi s'améliorer, il y a toujours quoi, sur quoi se perfectionner. Tout le temps, vraiment, se rapprocher de Dieu. Exactement. C'est pas ça, non, je demande. Oui, bien sûr, c'est aussi ça, et c'est évidemment que c'est ça. Ah, d'accord. Ça veut dire que si le rabbi nous en parle à chaque parachat de la Yéhri, c'est qu'il n'y a pas où aller, c'est pas ça, mais il ne nous parle pas pour nous parler. Ça veut dire que tout le monde a eu. Tous les juifs ont eu le potentiel. Tout le monde a le potentiel. Il y a toujours à rajouter. Bien sûr. Voilà, on a ça. Toujours où avancer. Voilà, à part, ça n'existe pas quelqu'un qui te dit non, moi, ça y est, je suis en Géoula, ça y est, tout est au top. Ouais, parce que même avec alors là, tu lui dis je commence à m'inquiéter pour toi. Tu vois, parce que si vraiment tu étais en Géoula, le monde, il serait en Géoula. Ouais. Le rabbi nous dit il suffit que, il ait vraiment envie de la Géoula et qu'il vive la Géoula, que le peuple juif, il est délivré, que ma chair reste dévoilée. Mais t'as dit que le monde est en Géoula. Ça, on serait au courant, mais le rabbi nous dit que on est une génération intermédiaire, on est la dernière génération de la Géoula, et on est la première génération de la Géoula. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose, on doit percevoir c'est quoi cette infinité. Voilà, Alors, on avance. Aval, Mikéva, alors voilà. Matara, Shel, Zé, Mout, Yeshet, Demiouchat, Basara, Betébet, Kacha, Matril, At, Ametsa, Od, Lo, Aïta, Kol, Bgia, Bebet, Amidash, ou Bebet, Yerushalayim. Beafilou, Lo, Bechoma, Amekifa, Et, Yerushalayim, Meler, Babel, Nishar, Bachout. Ça veut dire que tant que la brèche elle n'avait pas été entamée dans le peuple, dans la muraille, et qu'elle entourait encore, elle protégeait Yerushalayim. Mais l'Erf Babel Nishar Bachout, le roi qui régnait à l'extérieur, restait à l'extérieur. Aval Mikevan Shaya, Bekol Zot Matzor, Loya Nitel Lekanes, Belazet, Belavi, Ochel, Omazon Echam, Zehoud Avar Caché, Bioter. Et en fait, ce qui se passait à cette époque-là, c'est qu'il y avait une interdiction de sortir ou de rentrer dans les murailles. Et donc, en soi, c'était une souffrance. C'était une souffrance. Ve'amatara metil shel amatzur aita kedei shebni Israël itoreru betshuva shlema miyad ubekar yemanu et achorban od lifnei shehu matril. Et en fait, pourquoi Dieu il a commencé à mettre des souffrances comme ça au peuple juif qui était minime par rapport au fait que le peuple juif il était en feu et en ça veut dire c'était un énorme c'était un
comment dire, la destruction qui s'est passée au 9 Tevet, c'était sans nom, quoi. C'était la violence, c'était que Dieu préserve, c'était affreux, le 9 Av. Donc en fait, pourquoi Dieu il a commencé à amener les événements doucement, entre guillemets, doucement? Ça a commencé comment? C'est que ceux qui étaient dans la muraille, ils n'avaient pas le droit de sortir, et ceux qui étaient à l'extérieur n'avaient pas le droit de rentrer. Ouais. Donc déjà, il y avait une difficulté pour amener à manger. Ouais. Il y avait du marché au noir qui commençait, etc. On nous dit, mais le but, pourquoi Dieu il a fait ça? C'est que tout de suite, n'attend pas d'arriver à la catastrophe, n'attend pas d'arriver à l'extrême qui est vraiment le sang, le feu, le bétamidage détruit, le sang des saints profané, etc. Le point de non-retour. Exactement, le point de non-retour. C'est-à-dire que c'était déjà un signe que Dieu nous dit, mais réveille-toi tout de suite, n'attends pas qu'on arrive à la catastrophe. Et ça, c'est dans notre vie personnelle, n'attends pas d'arriver à la catastrophe pour te réveiller. Tout de suite, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui te dérange, tout de suite, tu cherches une solution. N'attends pas d'arriver au Khurban que Dieu préserve. Et que Dieu préserve le Khurban dans notre vie en temps d'exil, c'est quoi? C'est le Khurban d'un couple. N'attends pas d'arriver au divorce que Dieu préserve pour te réveiller. Et de dire, ah ok, il y a rien, il y a quelque chose qui n'allait pas. Non, que Dieu préserve, tu vois qu'un petit truc qui ne va pas. Petit truc, à l'époque c'était comparé à le fait de ne pas pouvoir sortir et rentrer. Tout de suite réveille-toi, tout de suite cherche une solution. C'est le fléau. Tout de suite. Mais on ne sait pas ce que c'est. Non, mais c'est le fléau. On ne sait pas, mais cherche. Quand tu cherches, alors oui, Dieu t'aide à trouver. Voilà, mais on ne peut pas trouver si on ne cherche pas. Il y a une généralité dans la Torah. Le rabbi nous enseigne des profils, nous dit il y a Gati ou Masati, t'as Amin. Si t'as cherché et t'as trouvé, alors tu peux le croire. Celui qui te dit j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Celui qui te dit j'ai pas cherché et j'ai trouvé, lui aussi ne le croit pas. C'est-à-dire qu'il faut avant d'avoir. Il y a toujours des solutions. Mais si vraiment on sait que Dieu a quelque chose de nous, et vraiment. Alors il faut parler à des mashpia, à des rabbanis, à des rabbanis, il faut se faire aider. On est tous. Le rabbi nous dit on est relais. Tu sais de notre génération. Le rabbi nous dit on est tous. On est tous. Je te dis. On est tous des relais, mes fesses. Non, mais aujourd'hui, moi j'ai 65 ans. Pas de pas savoir, faut vraiment. Faut vraiment chercher, faut vraiment faire exprès. Ouais. Non, de votre génération, c'est tout. On a tout est donné, il y a tout. Sachez que même l'égoïsme, la PNL et tout ça, je sais pas si vous en avez entendu parler. Et moi, je peux te dire combien on était seuls. Si on avait un problème avec les enfants, on était seuls. Problème de couple, on était seuls, on n'est pas embêté nos parents. Nous, je peux te dire qu'on était dans la solitude. Les rabbins, il n'y en avait pas, les conseils conjugaux, il n'y en avait pas, les conseils sexuels, il n'y en avait pas. Je veux dire, moi, quand j'ai fait l'immigré de mon mariage, on m'a balancé le livre de Ruth. Je ne sais même pas ce que c'était arrivé. Le livre de Ruth, j'en ai regardé. On était seuls. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pas de quand on parle. Je suis là sur Internet, cours de Torah, Chassidut, tout ce que tu veux. J'aime bien. Non, c'est Dieu. Le rabbi nous dit un mashpia, un rav de halakha, une mashpia pour une femme et un mashpia pour un homme, un rav de halakha pour la famille. Donc, et avec ça, on est capable d'avancer, de trouver des solutions. Mais là, vous il n'y a pas où aller. Que là, nous, le rabbi nous donne des solutions, il ne donne pas. Je confirme, nous, on était seuls, on n'avait rien. Le rabbi nous dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On avance. Alors, le rabbi nous dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il nous dit premier enseignement, fais-toi un rav. Pour les halakhot, tu appelles un rav de halakha, un dayan, un posek halakha, etc. Pour les conseils de la vie tous les jours, une femme, elle prend une mashpia, une femme, à qui elle demande conseil, à qui elle se réfère, et elle sent que cette personne, elle a une bonne influence sur elle, elle se sent à l'aise avec elle. Et pour un homme, pareil, il prend un mashpia, un homme qui l'admire, mais qui a confiance en lui. Voilà, il ressent une confiance et un. Sans un maître, tu peux pas. Pas avancer. Et le rabbi, vous verrez, il y a des vidéos où il hurle, il dit assez les harav, fais-toi un rav. Et c'est obligé dans la génération, sinon on est dans l'obscurité totale. Bien sûr, non, pas pour une femme. Ça veut dire, oui, elle appelle un rav que les questions de halakha, mais pour les questions de tous les jours, les conseils, elle choisit une mashpia, une femme. Je crois que c'est une rabbanite ou une mashpia. Ça veut dire une mashpia, c'est une. Un lien, mais c'est que la personne elle-même qui va choisir et qui va ressentir cette capacité de. Qu'elle te fait confiance et tu. C'est que toi, tu lui fais confiance. Tu sens que tu peux te confier à elle et qu'elle va te diriger vers le bien. Faut pas chercher des gens qui sont. C'est pas accessible. C'est même marqué achète-toi un ami. Aucune les rachats. Achète-toi. Il y a un pierre rouge de la chassidoute, ou qu'il y ait les chachavers, kané, c'est une plume. La plume est l'ami de juif. C'est une façon aussi d'avancer. C'est-à-dire d'écrire. D'écrire, c'est une façon d'avancer. Le rabbi Rayat, c'était un écrivain, ça veut dire qu'il a écrit toutes les histoires qu'on a aujourd'hui, l'héritage des journaux. On faisait notre journal quand on était.
On avait 10 ans, 12 ans, commencé un journal. Alors, il est 10h30 déjà, on va essayer d'avancer encore un petit peu. On voit que vous faites des journaux pour maintenant les jeunes. Non, pour les faire bien. On nous a acheté un journal d'ailleurs, comme 4 anniversaires, c'était un petit journal. Mais Tamara, il sait qu'on arrive au but. Alors, j'entends plus parler de ce journal intime là. Alors, Béassara Bétévet, Moudgaj, Efoa, Bémiyouchat, Chezé, Ouz, Man, Mesougal, La Si Atchoura. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre donc, ce jour-là, aujourd'hui? Il nous apprend que c'est un jour propice, aujourd'hui, à faire Tchouva. C'est fou, hein? Mikéval, Chelo, Aya, Bochorban, Bepoal, même si on n'est pas arrivé à la catastrophe concrètement aujourd'hui, ça veut dire le JTVET. Et la Rak, Davar, Shema, Tarato, les horaires, les Tchouva. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'arriver à la catastrophe que tu préserves pour éveiller chez nous le sentiment de tchouva. Ve'az ish'aru Yerushalayim ou Bet Amikdash b'shlemuta. Ça veut dire que si on éveille chez nous aujourd'hui, là tout de suite, une remise en question profonde dans notre cœur, on peut aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, on peut arriver à une situation dans notre vie qui va être la perfection. De réparation et de perfection sans attendre la destruction. Comment on fait ça? Une fois qu'on est sorti du cours de Studio 8, on rentre à la maison et on réfléchit de toutes nos forces et on sait qu'aujourd'hui c'est un jour propice, on fait rejbonne des fèches. On enlève le téléphone, on enlève les ennuis, tout ce qui nous dérange. On va s'asseoir au bord de la mer, on va faire une bonne note et on va réfléchir sur quoi je peux m'améliorer concrètement aujourd'hui. Sur quoi je peux. Non, particulièrement, c'est-à-dire que si on fait sur tout, il n'y a rien. De choisir autre chose. Mais si on a déjà comment, on a déjà pris la décision. Ok, encore aujourd'hui, puisque le jour où on a vu qu'il nous donne une force particulière aujourd'hui. On sait quels sont nos manques. Bon, Hachem, on sait. Oui, on le sait. Il n'y a personne de mieux que moi pour me dire de sur quoi j'ai des manques. D'accord. Mais si on sait, dans mon service de Dieu. Ok, on prend. Le Rabbi nous dit aujourd'hui, c'est un moment propice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va nous donner la force particulière. Donc, il faut en profiter à fond. Barzel, Metoukan. Alors, on va nous expliquer encore un sujet. Nitam imso ba'asara betevet kesham yuchad et korban betamidash les binyaino. Alors, on voit un lien entre le dit Evet et le lien qu'il a avec le betamidash, la destruction du betamidash. Benogia les metzor al yerushalayim she'achal be'asara betevet neima les navi yecheskel. Alors, le yecheskel à navi, le prophète yecheskel, il nous parle de la destruction du betamidash. Donc, qui est lié au début de ce jour, dans ces termes-là. Kach lecha mechabed barzel. Prends pour toi une casserole ou une poêle de fer, de barzel. Venetra otam al kir barzel. Et frappe-la fort contre un mur de barzel, de fer. On va voir ce que ça veut dire. Ça, c'est Dieu qui dit à Yecheskel Hanavi. Birde le ramez al amatzor sheye al kirot Yerushalayim. Madoua d'Afka Barzen, ça c'est pour nous faire une allusion avec la brèche qui va être faite dans le mur de Yerushalayim. D'accord, dans les murs de Yerushalayim. Et là, on peut se poser une question, pourquoi du fer? Une casserole de fer sur un mur de fer. Pourquoi cette allusion-là? On sait que les Nevi'im, les prophéties, c'est des allusions, c'est des images, c'est beaucoup des métaphores. Métaphores, voilà. Donc on va se poser la question, pourquoi le fer et pas autre chose? Voilà. Alors le rabbi va nous répondre à ça. À Esber basé ou chez Barzel Romez al Khurban Bet Amidash. Ok. Déjà le fer, c'est une allusion à la destruction du Bet Amidash. On va voir. Barzel Mesamel Arak Ve Khurban. Le fer, il nous donne, il est lié et il est attaché à tout ce qui est la destruction et la mort. Pourquoi? Les épées, elles sont en fer. Tous les instruments de guerre. Elles sont là pour tuer, et donc les revolvers que Dieu préserve, c'est à l'époque, donc c'était les épées, elles représentent la destruction. Ils ont dit que quand il y aura la paix dans le monde des Vénarins, toutes les armes vont se transformer en tracteurs pour travailler la terre, vont disparaître. Voilà, et le roi va nous dire encore plus que ça. Il va nous dire même encore plus que ça. Ah, oui. Il va nous dire. Enfin, attendez, vous allez. Mais la reine Kesheni venait, bête à Midash. Loayabo af ve'af lo nishma be'ezor abnia kol shel barzel. Pas d'éléments en fer, c'est vrai. À l'époque, dans le premier Bet Amidash, il était hors de question de rentrer dans sa construction du fer. Ah voilà, c'est ça. Parce que c'est un instrument de guerre. Alors on va voir. Atikun les barzel. Maintenant, comment on fait la réparation? Comment on fait la réparation du barzel, du fer? D'accord. Naasa ayede limud atora betokef ou bechozka.
le réparation de la notion de Barzel, comment on la répare? Par la force qu'on va mettre, la puissance, voilà. L'épée représente une certaine force, une puissance. Oui. Le rabbi nous dit comment on répare cette force, cette puissance qui est mise dans la destruction? On la met dans la construction. Avec force et puissance, on étudie la Torah. On fait, on fait un premier tikkun du Barzel. Non, pas encore. Il n'y a jamais une fin aux réponses. Bon, après, il nous dit que c'est une première sorte de réparation du Barzel. On va voir. Allez, des nitsoul à Barzel, par le fait d'utiliser ce fer, à Chosek Vatokef. La force et la puissance du. On sait que le fer, c'est un matériau puissant et fort, on est d'accord? Oui, oui. Donc, de la même manière que le Barzel, c'est un matériau fort et puissant, pareil, on doit être. Quand on s'implique dans la Torah de Mitzvot. C'est-à-dire là, on doit étudier avec force et puissance. Oui, pas superficiel. On doit utiliser les caractères, les caractéristiques du fer pour étudier la Torah. D'accord? Les inyané abdusha, ça veut dire quand on est dans les sujets de la sainteté, dans la Torah et les Mitzvot, c'est-à-dire les bonnes actions dans toute la journée, on doit le faire avec force et puissance. Avec les mêmes caractéristiques que le métal du fer. D'accord? Que du fer. Ma shekasho gam ken le asara betevet kevan shekol matamato apnimit shel amatsur aita ka'amur kede she'asu tshuva ve'az tisha'er chomat Yerushalayim bechozek ubetokef. Maintenant on doit comprendre le tevet, il était là pour nous éveiller à la tshuva et ça, son but profond c'est de faire tshuva et que la muraille elle reste entière, d'accord? Afilu shebet amigdash nirav. Mais sauf au Shadavar, bien que le mur, il a été, que le Beth Amidash finalement, le temple, il a été vraiment brûlé, détruit. Kavanat Achorban Ikede Leagia Lesikour à Barzen. Le but pour lequel le temple finalement, sauf, il a été détruit, c'est pour arriver à la purification du fer. On va voir quoi. Bebinyat Beth Amidash Lishishi. À la reconstruction du troisième temple, celui qu'on attend tellement. On va comprendre. C'est-à-dire alors là, on pourrait utiliser du fer. Alors, on va voir. Exactement. Nehemar be Midrash. Il est dit dans le Midrash. Alors, et ouvrez bien vos oreilles, c'est assez merveilleux ces enseignements. Zahav rachet tevot. Le fer, il est les acrostiches de Ze anoten bria. C'est ce qui donne la bonne santé. Ça, c'est le fer, ouais. Ça, non, c'est l'or. Zahav. Il y a différents métaux, d'accord? Oui. Alors, on y va. Vous êtes prêtes? Le plus pur, ce qu'on dit être le plus pur, c'est le Zahav. Oui. Zahav, c'est des acrostiches de, je répète, Zé Anoten Brian. C'est ce qui donne la bonne santé. Cachon les Beth Amidash Arishan, Shaya, Bari Veshalem. Et le Zahav, donc, il était lié au premier Beth Amidash de lui. Pourquoi? Parce que de lui, on disait qu'il était Bari Veshalem. Il était bien et en bonne santé. Il était Beshlemout et parfait. Il était complet, entier. Kesef, deuxième métal dans la création du monde. Rachet et vote, ces acrostiches, c'est quoi? Kesheyesh, sakanat, pachad. L'argent. Quand il y a une peur de danger. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Kachon les betamidash ashlishi. Chez Loaya mushlam, qui n'était pas parfait. Ça, c'est lié au deuxième betamidash qui n'était pas parfait. Vaya chachash chez ou yecharev od apam. Pourquoi? Parce qu'on avait la crainte qu'il soit détruit. On vivait avec la crainte qu'il soit à nouveau détruit. Parce qu'il y a le grenier déjà. Voilà. Nechochet. Nechochet, c'est le cuivre. Le cuivre ou les reins. Le cuivre ou les reins. Rachet et vote. C'est quoi ces acrostiches? C'est Netinat Rolé chez Amar Tnou. C'est comme le malade qui dit donnez-moi. Alors on va voir l'explication. Cachot, Lesman, Agalout. Chez Az, les Bnei Israël, Domim, les Cholé. Et ça ressemble au peuple juif pendant le temps de l'exil, maintenant. C'est comme un malade, on est considéré comme des malades, on est vraiment Cholé Nefesh, on est malade de l'exil, on n'en peut plus, on est le mal de mer de l'exil. Et on dit à Dieu, donne-moi le temple. Ou mes Vakshim, chez Itnou, la Beth Amidash. Et on demande sans cesse, donne-moi le Beth Amidash. Barzel, donc le fer, cachons les Beth Amidash à Shtichi. Il est lié au troisième temple. Pourquoi? Chez Iye, Chazak, Venitri ou Mushlam. Pourquoi? Parce que ce temple-là, il sera fort, il sera éternel et il sera parfait. C'est rien de ou Barzel. Alors on va voir, il y aura un chidouf entre les trois. Zé ou Barzel, chez le Kdushin. Et cette fois-ci, ça sera le fer, la ferraille, qui sera dans la sainteté.
purement et simplement. Plus dans la... Ça ne sera plus le barzel qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui est le, un instrument. Ça ne sera plus la ferraille qui sera dans la destruction, dans la mort, dans le, etc. Ça sera un fer qui aura atteint sa perfection. Bechassidut mouzba. On va transformer le mal en bien. Exactement. Hein, c'est naforou, c'est pour une poussée. Dans la chassidut, il est expliqué. C'est merveilleux ces enseignements. Hein. Oui, c'est joli ça. Chez Barzel ou Berachet Evot, alors encore, accrochez-vous. Barzel, quand on prend Barzel, on va écrire au tableau, c'est Bila, Rachel, Zilpa, Véléa. Vous écoutez ça? Alors on va accrocher. On va distribuer. Barzel. Quand on va. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça. Bill A, je suis pas la seule. Hein. Tu n'as pas la tactique là? Je suis pas la seule. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Bill A, la première servante de Yaakov Avinu. Rachel. Zilpa. Je ne sais pas si c'est un E ou un. C'était qui Zilpa? Zilpa, c'est la deuxième servante. Ah. Et Léa. C'est les quatre fondatrices du peuple juif. Parce que de elles vont sortir les 12 tribus. Ça n'est pas. Les 12 tribus. De ces quatre-là qui va être tous les enfants. Voilà, ouais. Exactement. Alors, on va voir. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est Barzel. Et ça, c'est Barzel. Alors, accrochez-vous. Seder Kazé. Chez Ashpachot, Bil'a Vezipa, Mouskerev Kodem, Matsui Be'ika, Beklipa, Mitzadatouma, Aval Gam Begdusha, Yesh Matsav Shel Shifra, Ki Tiresh Gvirta. Alors il nous dit, mais comment ça se fait que les servantes, elles viennent avant les imaot? Vous voyez, Bil'a Rachel. Donc c'est la servante de celle de Rachel qui vient avant Rachel. Et ensuite il y a Zilpa. Zilpa c'est la servante de Léa qui vient avant Léa. Comment ça se fait? C'est des servantes? Le rabbi nous dit non, même dans la doucha, même dans la sainteté, il y a un niveau où la servante, elle est au-dessus de la maîtresse de maison. On va expliquer. Il avance et il nous dit quoi? Begeoula, dans la Geoula, là on apprend un enseignement merveilleux. Iyu be aimaot, les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, Kodmot, les avot, elles vont être supérieures aux patriarches. Les imaot? Ouais. Avraham, Yitzhak, Véyakov, on va voir pourquoi. Kene Emma, parce que la Torah tout simplement nous dit Eshet Ra'i la Teret Ba'ala. La femme, elle est la couronne de son mari. C'est un klal dans la Chassidut. Le rabbi, il est très féministe, Baruch Hashem. Il nous rapporte cette explication de la Torah. La femme, elle est la couronne de son mari. La couronne, ça veut dire qu'elle est au-dessus, elle dépasse la tête du roi. Elle est au-dessus de son mari. Ça veut dire qu'elle fait la valeur. Qu'est-ce qui rend le roi un roi? C'est la couronne. S'il n'a pas de couronne, c'est pas un roi. Oui, mais ça veut dire... Elle le rend bien, mais en même temps, elle est au-dessus de lui, elle est plus forte. Ça veut dire que c'est elle qui le monte, elle qui fait de lui ce qu'elle est. Ouais, mais c'est pas plutôt, genre, on a dit, le mari, c'est la... Genre, tu sais, il y a l'intérieur de la femme, c'est le mari. Ouais. Oui, c'est oui, ça, oui, tout ça. Tout est bien, tout est vrai, en même temps. Tu comprends, c'est ça la chassidoute, il faut s'habituer, c'est une gymnastique d'esprit infinie. Tout est vrai. Mais la finimute, là, le rabbi, ce qu'il nous rapporte comme enseignement, c'est que la femme est la couronne de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière qu'on dit le roi, l'homme c'est un roi et la femme c'est une reine. Ça veut dire que de la même manière que la femme elle rend roi son mari, elle lui est indispensable. Ça veut dire sans la femme, le mari n'a pas de bracha, il n'a pas de simcha, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Il n'a pas de parnassa non plus. D'accord? Donc soit dit en passant, celui qui dit je me fais une parnassa et après je me marie, il n'a rien compris. Parce que la parnassa va venir par la bracha de sa femme. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, la couronne, de la même manière que géographiquement ou je sais pas, physiquement, elle est au-dessus de la tête, pareil, la femme, elle a une source plus élevée que son mari. Elle est au-dessus de lui. Donc, même si dans ce. Alors, Keshenema, Eshet Ra'il, Ateret Ba'ala. La femme, elle est la couronne de son mari. Keval, chez Begoula, il galé, chez Limadrigot, Anumar, Anumar. C'est-à-dire, en fait, dans la Géoula, on va dévoiler, il va y avoir un dévoilement, on va comprendre que tout ce qui est plus bas dans ce monde-ci a une source beaucoup plus élevée. Un shoresh, une racine beaucoup plus élevée. Mais Ota Siba, un des exemples, c'est qu'on a l'impression que l'homme il est au-dessus de la femme dans ce monde-ci. Oui.
bien que dans notre génération, on commence à voir concrètement des crates à Géboula, à la proximité de la Géboula, on commence à voir la supériorité de la femme. Elle étudie plus que l'homme, elle sait se débrouiller. Ils étaient opprimés, les femmes. Non, les femmes, avant, elles n'avaient pas le droit d'étudier. Mais comparativement à 5776 ans d'exil, je crois que ta grand-mère avait étudié. C'est relatif. Je crois que ta grand-mère avait le droit d'étudier. Non, en fait, c'est vrai, c'est en fait depuis. Bah oui, c'est très bien, les femmes. Voilà, en fait, la même manière que les servantes ont l'impression qu'elles viennent après les Imaot, on va voir qu'en fait, elles ont un certain niveau qui était plus élevé que les Imaot. Bah, à mon avis, elles ne sont pas choisies pour rien, ces deux-là. Bah, évidemment que non, c'est sûr. Mais en fait, elles faisaient partie de la construction du peuple juif. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire de elles vont venir la chlémoute, la perfection des 12 tribus. Mais c'était juif quand même, ces deux-là. Bien sûr, c'était juif. Pas contrairement à Agar qui n'était pas juive. Non, mais apparemment, à la fin, elle a fait tchouva. Mais elle a fait tchouva à la fin. Alors, tout est bien. Alors, est-ce qu'elle aussi a fait tchouva? Mais à la fin des temps, il est censé faire tchouva. C'est pour ça que le rabbi demande de diffuser les sept points noirs. Même aux arabes. Ah, j'ai vu Il y a beaucoup d'arabes qui font tchouva en ce moment. Attends, j'ai vu un réponse sur internet, là, je sais pas où j'ai vu. C'est pour ça que le rabbi demande de diffuser les sept points noirs, même aux arabes. Parce que s'ils veulent avoir une part au monde futur, même les goïms en général, les nations, s'ils veulent avoir une part au monde futur, ils ont intérêt tout de suite là à commencer à respecter les sept lois de Noé et notamment à soutenir le peuple juif. Même financièrement, le rabbi dit. Le monde il est prêt, le goy il est prêt à soutenir le peuple juif. Tu l'as vu cette et à l'aider financièrement et à soutenir la diffusion de la Torah. Tu l'as vu cette affiche avec le rabbi en fond jaune? Oui. Et en arabe. Écrit en arabe, mais je bougeais. Ça, c'est doit être dans les pays arabes, les zombies. Oui, mais les zombies. Le rabbi, avec écrit en arabe à côté, mais c'est quoi? Il faut qu'ils apprennent. Et il y a aussi le pape, il a reconnu que Dieu et les juifs, ils ont une alliance éternelle. Ah bah il était temps, hein. Et aussi, j'adore annoncer une bonne nouvelle. Il y a Rock Shabbat, vous connaissez? Que ça va commencer à être à Sous d'ouvrir les magasins le Shabbat. Où ça? En Israël? Où ça? Hein? Où? En Israël? Et Lieberman, il a dit, mais c'est attends, il y a déjà le maire de Tel Aviv qui a autorisé certains. Ouais, mais c'est la Géoula, attends. C'est la Géoula, oui, c'est-à-dire le nourriture, le restaurant, mais les autres, ils ont dit. C'est vrai, Marc, Shabbat et tu verras. Oh là là. C'est pas le flagat ravédé, c'est ni flagat. Il y a de plus en plus de yeshivot. Mais les gouttes, c'est pas religieux. C'est pas des religieux, c'est pas des religieux. C'est que faire. C'est un dur de dur, il adore la Norvège, enfin il adore Israël. Alors, Kaga, Melogan et Bet Amigdash, Asiba, chez Bet Amigdash ou Meavanim, Velo, Meatim, Kemo, Bemishkan, Meatim, Kemo, Bemishkan, ou Mipne, chez Bet Amigdash, Idgale, Maalat, Avanim, Domem, Alpne, Aetim, Tsomear, ou Meota, Asiba, Bediouk, Idgale, Bet Amigdash, Achichi, Malato, Agavwa, Shel, Barzen, chez Kayom, ou Namour, Afilou, Meavanim. Ça veut dire de la même manière qu'on a dévoilé, le Mishkan était fait en bois, le premier Bet Hamidash était fait en pierre. Donc on a dévoilé la supériorité de la pierre, donc du minéral, sur le végétal. Et ensuite, pareil, à la Géoula, on va dévoiler la supériorité du métal, donc du barzel, sur la pierre, sur le minéral. Barzel Bet Hamidash. L'orak a chosek chez Barzel aita Bet Hamidash hashlishi et la gam barzel atmo. Ça veut dire, c'est pas seulement parce que le Bet Hamidash il va être construit aussi de fer que on va voir sa supériorité. On va voir pourquoi. Asiba chez al arshav lo ishtamshu klal be barzel le Bet Hamidash ine ki barzel mori al aras ve korban arak ve uvdan. Comme on a dit, le fer il symbolise la destruction et la mort. Bizman la geula il batel ara ve yachlif Veyachalouf, Minaolam. Alors voilà, à la délivrance, on va supprimer le mal. Dieu va supprimer le mal et il va sortir du monde. Koar Aras Atamun de Barzel Ibatel. Ça veut dire la force d'éjecter le mal, il va être dévoilé par le fer. Attends, on va expliquer. Veaz Yavo à Barzel Nide Nitsun Male Betsura Riovid. Ça veut dire de la même manière que le fer, il est. Indestructible. Non, vous savez, il a une force de. Pourquoi fallait...
Oui, de tout briser en fait, d'être Radvechalak. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, non, il a la force de rendre irréversible les choses. Oui, c'est-à-dire, on peut pas. Ça veut dire la mort, c'est, a priori, c'est irréversible. La même manière que qu'il a cette force-là dans la Touma, dans les forces du mal, on va dévoiler à la délivrance tout de suite que cette force-là de point de non-retour dans le bien. Ça veut dire, on va montrer que maintenant le mal, il va avoir il va être anéanti pour l'éternité, de façon éternelle. Missi bazo, mista berloma, chez binyan madame dash hashishi yé asuir lorak meavanim tovot et lagam et barzel. Ça veut dire, on comprend de là que le troisième Betamidash, il ne va pas être construit seulement de bonnes pierres, il va être aussi construit avec du fer. Pourquoi ? Parce qu'il va être éternel. Ça va être la moderne. Ah oui, on ne pourra pas détruire. Ça veut dire qu'il y aura de tout. Hein, c'est moderne, tout sera éternel. C'est terminé aussi. S'il est en barzel, on ne peut plus détruire. Il va être aussi en barzel, mais même s'il ne va pas être que en barzel, il va être éternel quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le dernier, c'est la Géoula Amitid Béhachet. Bon, c'est quoi, on y va. Allez, viens là. À Barzel, Yanoutzal, Bekamoud, Goudola. Qui est dit vrai, David. Ça veut dire que je suis pas là, ce que tu dis. Ah, élève, que le mal qu'il y a eu là dans ce monde sera nécessaire à la construction du bétail. Barzel, non seulement elle sera pas négative, mais en plus elle va dévoiler son niveau positif. On va dévoiler le côté positif qu'il y a dans le fer. Le côté positif, on a dit, c'est la puissance, la force, et là, irréversibilité, voilà. C'est-à-dire que le mal, il n'a pas de retour, il n'aura plus rien à faire dans le monde. Ça sera définitif. Ça veut dire qu'en gros, la lutte entre le mal et le bien, elle sera terminée. On va faire la shkita au mal, qui va triompher pour l'éternité. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'ennuyer. on va aller de Mechaïl El Chaïl, de niveau en niveau, de perception, et dites-vous qu'on aura une autre tête, on aura une tête de Géoula, vous imaginez. On n'aura plus de soucis de matérialité. Fini les problèmes de tous les jours du quotidien. Fini les difficultés de la vie de tous les jours, etc. Ça veut dire qu'on n'aura que de soif de connaître encore plus Dieu et encore plus Dieu et encore plus Dieu. Ouais. On sera dans la plénitude. On a la plénitude dans une shlemout totale. Qui est niré d'avoir ni flamme et haute des nogas, les machmaout, shel, asara, avec les bêtes, amatsour, chez itrit, beyon, zé, eyot. Être ilat irouë, chorban betamidash aval, mekeban, shematarata, chorban i bishvil, biniat betamidash ashishi, yotse, she amatso, yaave, beikar, atrilat bien betamidash ashishi. Donc en fait, le rabbi nous dit, sachant que maintenant, on sait que le but, la finalité du monde, c'est de construire le betamidash, d'avoir le troisième betamidash, qui est le troisième temple qui va être éternel, alors on comprend maintenant que la destruction du betamidash, elle était indispensable. Pour pouvoir laisser place au troisième état midash qui est éternel. Parce qu'ils n'étaient pas parfaits, ça veut dire le métal, tout ça, c'était pas parfait. Quoi. Exactement. Donc en fait, et le métal qui a servi pour le premier, c'était pour la destruction, on s'est cogné dessus en fait. Quand tu as dit une poêle du fer contre fer, ouais. C'était pas ça quoi. Non, c'était en fait de nous réveiller à la tchouba. Ouais, voilà, nous réveiller à la tchouba. Alors on va aller directement à l'enseignement de film. Alors. כפי שכבר פסק הרמב״ם שעל ידי מצוות אחת ניתן להביא ישועה והצלה לעולם כולו ואז נחיה כולנו כל עם ישראל בחיים נצחים. C'est-à-dire que tout le peuple juif il aura une vie éternelle. והלוואי שהחלטה לבד להוסיף במצוות כדרוש. במצוות כדרוש, et amen qu'on réussisse à rajouter dans une seule mitzvah. Ta vie kvar et ta geoula bepoil. Parce qu'il faut savoir qu'une seule mitzvah, qu'un seul juif dans le monde, peu importe où il se trouve, ça va déclencher la Géoula, mamash, véritablement, chez Az, Ya'alu, Kol, Ashvatim, et c'est à ce moment-là qu'on dévoilera toutes les tribus, Yachad, Im, Moshe, Ve'aron, avec Moshe et Aaron, Avinu, les Géoula, Ashlema, dans la délivrance véritable, Obepashtut, Shegvar, Im, Vatsum, Kol, Amisraël, Mikol, Aolam, et c'est là que tout le peuple juif va se réunir, Yachad, Im, Kol, Abate, Aknesot, Shevechol, Aolam, Achal, Miseven, Seventi. Et ça veut dire qu'en fait, en vérité, quand Machar va se dévoiler, oui. Il y a toutes les synagogues du monde entier qui vont se coller et qui vont fonder la muraille en fait, de Yerushalayim, ce qu'on va appeler Yerushalayim, du Beth Amidash. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et le Rabbi, dans une tira, il explique qu'une des premières, par allusion évidemment, qu'une des premières synagogues qui va se coller au Beth Amidash, ça va être le 770. Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est de là que sort. En fait, je l'explique dans toute mon sira qui est merveilleuse, Maître Abénou chez Bébabel, c'est la maison de notre maître qui est en exil. On connaît l'adresse. Pourquoi ? Parce que de là se diffuse tout l'enseignement vers le monde entier. C'est en Babel justement, c'est pas en Eretz Israël où c'est déjà la finalité, c'est en Babel, en exil, que de là sort l'enseignement du maître pour tout le peuple juif en temps d'exil. Dis-moi l'histoire de quand il y avait le Kohen, le Gadol, les machins, tout ça, ça recommence. Oui, bien sûr. Il n'y aura plus de faute. Donc en vérité, on va apporter que des corbanes de reconnaissance. Oui, mais il y aura toujours le côté comme avant. Côté ouais, bien sûr, le service, il va reprendre, ça va être tout le monde au boulot. Et nous, on n'habitera que dans le Beth Amikdash, surtout. Non, le Yerushalayim d'aujourd'hui, ça va être le Beth Amikdash à Shlishi. D'accord. Israël, ça va devenir tout. Israël, ça va. Yerushalayim, ça va être le Beth Amikdash en entier. Voilà. Israël, ça va être Yerushalayim. Oui. Donc là, on va être à Yerushalayim, les pieds dans l'eau. Et tout le monde. Et le monde entier, il va devenir Eretz Israël. Wow. Voilà. Ça va être la nouvelle géographie. Et ceux qui n'ont pas envie. Ils vont disparaître, ceux qui n'y vont pas. Bien sûr, tout de suite. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, même aujourd'hui, alors ils retourneront au néant comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ceux qui vont reconnaître Dieu, ou qui reconnaissent déjà Dieu, ils vont avoir le mérite de vivre la Géoula, la délivrance, et ils vont nous demander des paroles de Torah. Mais il y aura toujours. En échange, ils vont nous aider à servir Dieu. Il y aura toujours des juifs et des non-juifs, malgré tout, on les tolère. Les non-juifs qui reconnaissent déjà Dieu, donc c'est une des raisons pour laquelle le rabbi demande de diffuser les 7 lois noachiques, c'est pour les aider à avoir une part dans le monde futur. C'est-à-dire que dès l'instant où le Mashiach se dévoile, vont être éradiqués de la surface de la planète tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Voilà. Même les Juifs ? Non, les Juifs, ils ont déjà fait tout. Ils ont fait tout. On a déjà assez souffert, non, tu vois. Mais ça y est, c'est non. Non, les peuples juifs, ils l'ont tous fait. On parle des non-juifs. Tu préserves. Les non-juifs qui n'ont pas encore fait Tchouba, alors ils vont être éradiqués comme s'ils n'ont jamais existé. Donc c'est pour ça que le rabbi il demande aux juifs d'enseigner et de diffuser les 7 lois noachiques chez les goïms, chez les nations, pour qu'ils puissent avoir une part au monde futur. Donc faire tes chevaux actuellement de Gozou, c'est-à-dire en fait c'est compléter ce qui manque en fait, c'est ça? Évidemment. C'est valable. Ça veut dire que à la Géoula, ils vont avoir le privilège de vivre le temps du Mashiach. La Géoula, la délivrance véritable. C'est valable pour eux aussi. C'est valable pour eux là tout de suite. C'est-à-dire, s'ils font, tu vois, ils disent ça y est, je fais les 7 lois noachiques et je reconnais qu'il n'y a qu'un Dieu, l'unicité de Dieu sur terre. Alors, quand Mashiach va venir, ils vont exister. Mais ils seront toujours des non-juifs. Bien sûr, ils seront toujours des non-juifs. Ils vont vivre un petit peu. Et au contraire, ils vont être très heureux de vivre dans une perfection et une éternité. Mais il y en a déjà plein là qui. Parce que finalement, le peuple, les nations, elles sont là pour aider le peuple juif. Et le rabbi nous dit qu'ils sont prêts à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne demandent que ça, c'est d'aider le peuple juif, même financièrement, à soutenir. Il y a énormément de non-juifs qui aujourd'hui soutiennent les bêtes rabbades, ils soutiennent le peuple juif. Quoi. Ça, faut savoir. En Amérique, les goïms, ils viennent d'eux-mêmes voir les rabbades et ils disent « S'il vous plaît, dites-moi ce que je peux faire pour avoir une part à la délivrance. » Il y a un mouvement comme ça. Ils disent, je vous en supplie, je veux voir ma chair, je veux vivre ma chair. Et Torjman, je veux parler de Torjman. Voilà, fait, exactement. Alors, Imkol Sifre Akodesh, Abatim Apratiim, Varachouch, Shena Asu Kodesh, Ainanim Yachar, Neret Israël, Neshchaim, Nebet Amidash Akodesh. En fait, il nous dit que tous les livres et toutes les maisons juives qui ont servi Dieu pendant le temps d'exil, elles vont aussi avoir une proximité avec le Beth Amidash HaShishi. Mais kol echad yochal lomar, et chacun il pourra dire Ine melech Mashiach, voici le maître Mashiach, le roi Mashiach, Ine admor ma'arayat, mais Ine akadosh baruch hu, voilà le rabbi Reyat, le rabbi précédent, et voici Dieu. On pourra montrer Dieu du doigt, on pourra le voir. Venir Gog, et on va tous faire la fête. Kulanu yachad et seudat melave malka, et on va pouvoir tous faire le festin du melave malka. Yachad im David Amelech, avec David Amelech, le roi David, mais Beth Amidash, dans le Beth Amidash, Berov, PR, Veyadar, avec beaucoup de festivités, Mezrat Hashem. Alors que par le secours de cette étude-là, en fait, on doit comprendre que si on peut résumer cette sira, on doit savoir que tout ce qu'on implante dans
tout, c'est-à-dire, il ne faut pas se dire que chaque chose, il faut comprendre de la même façon qu'on plante la graine, c'est de cette façon que l'arbre va pousser. Et ça, c'est valable pour notre vie personnelle. De la même manière que c'est valable pour un enfant, pour l'éducation d'un enfant, c'est valable pour l'éternité, pour nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque mitzvah que je peux rajouter aujourd'hui, chaque point de tshuva, chaque chose que je vais pouvoir m'améliorer et avancer dans le service de Dieu, ça a une influence énorme sur la décision, sur la vie future. Exactement, parce que sachez que quand ma chère, il arrive, c'est terminé. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de Yeterara, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Donc ça y est, les jeux sont faits. Exactement. C'est terminé. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce que tu as lutté, c'est ce niveau-là que tu as. Donc à partir de maintenant, c'est la délivrance. Il n'y a plus d'enjeu. Donc tu vas démarrer. Si tu arrives à Kita Alef, tu démarres à Kita Alef. Si tu démarres à Kita Alef, ça y est, c'est fini. Parce que les mérites qu'on accumule dans le temps d'exil, dans les derniers instants d'exil, c'est ça qui va construire notre délivrance à nous. Donc en vérité, la perception qu'on atteint dans le temps d'exil, elle va être notre point de démarrage dans notre élévation, dans le temps de la Géoula qui va être éternelle. Donc, Bezrat Hashem, qu'on sache que chaque mitzvah, elle a un impact énorme sur le monde, elle a un impact énorme sur la venue du Mashiach, et sur notre vie, et surtout notre entourage. Donc, comme le Rabbi dit, il faut s'entourer de bonnes personnes, c'est-à-dire un Rav de Halakha, c'est la base, et une Mashpia pour une femme, et un Mashpia pour un homme. Et sachez que le Mashpia ou la Mashpia, ils ont aussi, eux, une Mashpia et un Mashpia. Sachez que c'est une entraide, ça veut dire dans le peuple juif, c'est une généralité. À Révim Zélazé, on est tous garants les uns des autres, on est responsables les uns des autres. Ça veut dire quoi? Qu'on est tous attachés et on est tous capables de s'aider sur un domaine précis. C'est-à-dire l'autre qui va m'aider dans un domaine et moi je vais l'aider dans un autre domaine. C'est comme ça, dans le service de Dieu. Et ça inclut les soucis de travail, les daagotes, les inquiétudes, etc. Donc Baruch HaShem, on n'est pas seul. Il n'y a pas. On a tous quelque chose à apporter à l'autre et l'autre, il a toujours quelque chose à nous apporter. Ouais, mais faut bien. Non, je suis bien, il n'y a pas plus 6. Hein. Non, ouais, ça peut être quelqu'un de 6. Non, c'est quelqu'un que tu ressens, que tu peux t'aider. Voilà, c'est pas un tzadik gamou qui est perché sur les arbres et que. C'est une femme de personne. Tu sens que cette personne, t'as le cœur ouvert pour elle, tu sens qu'elle peut avoir une influence sur toi. Positive, évidemment.